Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. 100 d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Je confirme rien du tout, je sais pas du tout ce qu'ils vont nous sortir. Mais moi je trouverais illogique qu'on ait match perdu et qu'on nous enlève des points. Je vois pas pourquoi ils vont mettre 3 points à Clermont. On gagne 4-2, il reste 3 minutes à jouer, il faut arrêter les conneries quoi. Ça m'embêterait, oui, bien sûr. Moi je trouve ça illogique. Après, c'est pas moi qui prends une décision, c'est pas moi qui suis dans la commission de discipline. Ben ouais, mais bon après ça, on verra mercredi. De toute façon, on va pas anticiper quoi que ce soit. On verra mercredi la décision que la commission aura prise. Après, on verra. Mais nous, notre objectif, c'est d'aller gagner à Nantes dimanche surtout. Ben, on aurait pu être sixième pour démarrer la journée qui arrive. C'est ça qui est frustrant pour nous. Ouais, on était sur une bonne dynamique. Il faut qu'on continue à mettre les bons ingrédients pour aller gagner à la Beaujoire dimanche. Si je gagne tous les matchs 4-2, ça ne me dérange pas. On aura toujours du positif. Si on marque plus de buts que l'adversaire, ça me va. Ben ouais, ben. Ce qui est frustrant, c'est ça, c'est qu'il y a des joueurs qui ont scoré. Voilà, ils avancent dans le classement individuel. Et puis, tu te retrouves au troisième meilleure attaque du championnat avec les 4 buts qu'on a marqués. Ouais, c'est tout ça. S'ils nous enlèvent tout ça, c'est frustrant. Là, ils ont pris des joueurs qui répondent présent. Il y a d'autres joueurs qui étaient là qui ont reverdi. Ils sont bien meilleurs que l'an dernier. Ça va être un match difficile, mais on y va toujours avec les intentions de les faire chuter aussi. À nous d'être meilleurs qu'eux, à nous d'être meilleurs dans tous les compartiments pour gagner. Ouais, mais ils changent souvent de. Ils peuvent jouer à 4 derrière, ils peuvent jouer à 5. À Strasbourg, ils ont joué à 5. Contre Rennes, ils ont démarré à 4. Plus important, c'est ce que nous, on va faire. Qui se présente à 5 ou à 4. À nous d'être bien organisés et bien utiliser le ballon. Non, moi, je trouve que depuis le début de saison, on fait des bonnes choses. Il y a eu de très bonnes séquences. Il y a des matchs où on fait pas des matchs pleins, c'est pas un moment, mais il y a toujours des bonnes choses dans ce qu'on met en place. Après, on a été handicapé aussi par rapport au terrain qu'on a eu à domicile. Ça nous a handicapé aussi. Tout le monde peut parler, mais ça a été un handicap pour nous de jouer sur un terrain comme on a eu. Voilà, on le voit à l'extérieur où l'équipe, quand on joue sur des bons terrains, elle a une capacité de fournir du bon jeu et de créer beaucoup de situations pour marquer des buts. Mais à Cor, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait un petit trou. Il a démarré le championnat il y a 4 mois. Oui, il a joué en Norvège. Là, aujourd'hui, on a fait 8 matchs, c'est ça? Ouais, il avait fait 15 avant lui. Hein. Ça veut dire c'est normal qu'il ait par moment un petit trou, un peu moins bien. Mais il cavale quand même sur le terrain, il fait des bons appels. Je l'ai déjà dit, c'est aux partenaires aussi qui sont sur le terrain de l'alimenter comme il faut. Ouais, mais c'est toujours comme ça, quand ils partent dans leur pays, on leur fait faire des voyages. Avec des escales à droite, à gauche, c'est compliqué. Ouais. C'est pour nous et c'est pour les autres équipes aussi. Ouais. Oui, quand ils arrivent, ils sont fatigués, mais là, ils ont récupéré. Hein,
Ouais, je pense qu'il a, il a joué en Italie sur un côté, mais il joue en 4-3-3. C'est pas pareil de jouer en de ligne de 4 et de jouer en 4-3-3, c'est différent. Ouais. Il a pas les repères, même si c'est un garçon généreux qui est quand même capable de se replacer, de défendre, il est capable de le faire, mais après il n'a pas les réflexes quand même. Il est plus attaquant quand même. Oh oui, il a fait des bonnes entrées. Chaque fois, il a été. Même s'il a. Il a été malheureux sur les deux premiers matchs, ils nous ont fait perdre des points. Mais sur sa façon de rentrer, sur le dynamisme qu'il met, ouais, c'est bien. Il fait des bonnes choses. Ouais. J'espère qu'il sera récompensé quand il va rentrer pour marquer les buts. Ouais. Pourquoi pas à Nantes? Dans le cœur du jeu. Ouais. Oui, c'est un joueur. Moi, je pense qu'il est plus apte à jouer dans le cœur du jeu. Et, techniquement, il est en capacité d'être plus influent pour l'équipe dans ce registre-là. Après, quand je suis démuni aussi, je suis obligé de tricoter aussi.